Bonsoir. Hop. On est... Ah, c'est tout mélangé. Ok. Ben on est lundi soir, donc c'est Mats Minecraft à travers les siècles. Pop, pop, pop. Bonsoir Christo. Bonsoir Dr. Pi. Bonsoir. Bonsoir Extra. Hop. Multipass. Qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise ce soir? Oulou. Marche pas le serveur? C'est juste le pinge chiffrement en cours, entrer dans le monde, non il marche. Des fois c'est bizarre le truc hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah. J'ai récupéré les trucs. Vous auriez pu faire le ménage, les gars. Oula, c'est ma cour en carton. Merci, Madame Orange. Il y en a partout, mais c'est pas vrai ça. Ah les voyous. Les voyous, il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun respect. Bonjour Monsieur Z. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Bande de petits voyous. Dis donc, il y a de la poussière chez vous. Je me demande bien qui a fait ça. Ouais, je me demande bien. On part 15 jours et pas là, c'est le bazar. Oh, c'est, j'ai déjà tout nettoyé. Ouh, y a des méchants. Hop, 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 hop. Ça y est, j'ai tout nettoyé. Bon, ça va, c'était pas encore... 27. 27 toiles d'araignée. Si ça donne bien une un fil. Ah non, il y en a encore. Pique. Je me demande bien qui a fait ça. Bon, bah c'est Akiza. Ah. Ah non, oh non, 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 c'était pas moi. J'ai rien fait. Bon, on va laisser le doute. Hein. J'étais pas très fort. Hein. Mais non, je suis pas fort, je suis nul, moi. Non, Akiza. Mais c'est parce qu'ils m'ont dit en plus, tu vas te faire kicker. Attention. Oh mince. J'ai eu peur. Oh méchant. J'ai mis une cisaille devant pour les récupérer. Ouais, j'ai pas vu. Ah. Ah oui, parce que c'est signé dehors, mais j'étais à l'intérieur. Bon, ouh. Je dois aller au bûcher alors. Tu iras dans la même galère qu'Akiza. Oh non! Oh bah pour le moment, j'ai aucune galère, tout va très bien. Hein. Dans ma vie, il fait très beau. Voilà. Je suis heureux pour une fois. Il faut qu'on te, faut qu'on la fabrique pour te t'amener au bagne. Chaud froid de Perrac. Ouais. Oui, il doit bien y avoir un second rôle, une âme damnée dans les films. T'as vu qu'ils étaient repassés il n'y a pas très longtemps. Oui, on en a parlé la semaine dernière, je crois. Il y a 15 jours. Ouf. J'ai failli faire oui. Une bêtise. Merci Diego pour le suivi. Bon, on va tâcher de finir ça. Puis après, ben, on ira faire des bêtises. Elle est pas mal située, ma maison. Il y a pas mal de passages dans cette rue.
Moi, j'ai fait le grand tour, j'ai eu trop peur. C'est pas moi, par contre, le panneau. Tout l'aspect étage était bon. Je me souviens plus. J'avais fini la toiture. Il y en a encore à l'extérieur. Allez, fouaillou. Donc je vais pouvoir... Il y a toutes les fenêtres à finir. Par où on descend là? C'est ici? Non. C'est le côté pénible des échafaudages. C'est que quand t'es en haut... Ouais, c'est il, vrai. Il faut, c'est, retrouver c'est le, il faut retrouver la descente. Alors... Parce qu'il suffisait de mettre une texture ou quelque chose de différent, hein, pour le reconnaître simplement. Par exemple, ouais. Ah, il en faut d'autres. C'est des vitres. Noir. Noir, c'est noir. Tonton. Tonton Z. Des humurants. On se connaît. Ouais, bon, on va peindre ça en noir. On a encore une là. Donc on l'a mis hors d'air, on va la mettre hors d'eau. C'est comme ça qu'on dit, hein, dans le métier. Des charpentiers de marine. C'est sûr que là, niveau inondation, on est tranquille. Hein. Ça ne pourrait jamais arriver, si. On a hauteur. Hauteur 68, hein, 68, il doit y avoir des endroits plus bas. Je sais pas si on est au plus bas, 68. Ouais, non. Oui, on est peut-être au plus bas, oui. Le niveau de l'eau, derrière, ça remonte. Le niveau de l'eau, c'est 60, 63. Et un. Tout à fait. Ah, 63. T'en es pas décidé. Yannick Zedania, oh mon dieu. En fait, j'avais une demi-idée, mais je me suis dit, celle-là, elle est pas bonne. Bon, les tours d'araignée, ça a été la deuxième, mais la première, je me suis dit, oh, je vais faire comme si la place était inondée. Bon, c'est pas une bonne idée. Après, je me suis dit, oh non, 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 il y a trop de trucs qui vont peut-être être embêtés avec l'eau. Bah, c'est vrai que c'est un peu dans une cuvette. Hein. Ouais. Puis toutes les carpettes, là... Après, on pourra en enlever, hein, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Et avec la 1.18, on a plus besoin, on en a plus besoin du tout. Bon, on a enlevé tout l'éclairage un peu inutile. On ne voit plus de torches, déjà. Ouais, mais... Là, il y en a déjà, il y en a encore trop. Oui, là, sur la place, on peut en enlever. Tuf qui a été rajouté, quelle horreur! Alors, Attends, qui n'est pas là? Lynn, c'est Lynn. Ouais, elle était fatiguée, Lynn. Ouais, le pauvre. Bah ouais, elle passe des nuits de folie. Des journées de folie. Sort, des nuits de folie, ouais, et puis voilà, quoi. Ma connexion, c'est terrible. J'ai une barre.
Ouais, c'est moi qui héberge le... Enfin, c'est... Oui, c'est moi qui héberge le serveur. Hein. Alors, il me faut du sable. C'est un peu le bazar. Hein. On est d'accord que c'est le bazar. Va falloir ranger tout ça. On est d'accord. Je parlais justement avec des gens, ils disaient que on a tendance à se plaindre souvent, en général, les gens. Hein. Mais c'est vrai, là, l'internet, c'est quand même pas normal chez toi que ça va bien quand tu vas un peu rouspéter, puis après, ben, ça va plus. Ah oui, bah oui, ça pousse à redemander encore une explication. Et... C'est un grand classique, ça. Avec ma femme, on se disait ça, c'est compliqué maintenant d'avoir du travail de qualité. Ouais, c'est même impossible, je pense. Ça n'existe plus. Même quand toi, ma belle-mère, elle a encore ton petit maillon, de son mariage. Même toi, ton petit maillon, quand tu veux faire quelque chose de bien, tu es tellement dépendant d'autres maillons qui font bah que... Oui. Bah oui, c'est ça. Dans des travaux ou quoi, le matériel qu'on achète n'est pas forcément génial. Et... Commencez. Bonsoir Lorenzini, bonsoir Moya. Bah, alors de... qu'on va sur la Lune et sur Mars, non, on ne sait pas avoir Internet. Ouais, enfin on y va plus. Hein. Et sur Mars, on n'est pas encore... Sur la Lune, on n'y va pas, et sur Mars, on n'y va pas encore. Et on mais envo... bon, on c'est pour bientôt. On envoie juste pour... Un truc à roulette. Oula, ça y a eu des nouvelles photos là récemment. Oui, bah ils savent faire que ça de toute façon. Un truc à roulette avec ce coup-ci, il y avait un drone. Bon, j'ai des images perdues. J'espère que ça va pas être trop chaotique. Oula là là là. Ça va, ça vient. Ça s'en va et ça revient. C'est fait d'un tout petit rien. Non, ça a l'air d'être revenu. Ah, ça chante. Oui, du clo-clo, du clo-clo. Moi, je connaissais pas Claude François avant que Poulvortre refasse son imitation. Alors, je rigole. J'ai quand même un peu de culture. Ah bah après, comme il est mort quand même il y a déjà un moment. Oui, c'est vrai, peut-être que maintenant il y a des gens qui savent pas qui c'est. Ils connaissent les chansons parce qu'elles sont reprises, mais... Oui, c'est tout. Mais le personnage avec... Les pattes d'éléphant, qu'est-ce que c'est? Et comme tu dis, heureusement qu'il y a eu le film, par exemple, pour qu'il y ait des gens qui s'aperçoivent que... Ouais. Bon, on va aller chercher du sable. C'est quoi des pattes d'éléphant qui s'appellent ça? Pattes d'éléphant, c'était les années 70, hein, la mode. Je me souviens, étant gamin, j'avais eu ce genre de pantalon. Ah, je connaissais pas, je connais les pattes d'elfes. Bah, pattes d'éléphant, c'est les. Bah, pattes d'elfes, c'est les pattes d'éléphant. C'est le... Ah. Parce que ça te faisait des grosses, oui. Des gros pieds, des grosses pattes, voilà. Donc ça s'appelait des pattes d'éléphant et le pantalon. Et ça Clo-clo, a été. Clo-clo, il avait ça sur scène. Ça a été raccourci en pattes d'ef. Mais pas que Clo-clo, tout le monde. Hein. Tu trouvais plus de pantalon. Oui, tout le monde. Mon père avait ça. Son tu trouvais pas. Tu trouvais plus de pantalons normaux, quoi. Si, peut-être, mais il fallait faire des efforts. Maintenant, ça a été reconverti. Pas de def, ça veut dire que t'as un profil de réduction. Pas assez d'FPS. J'ai pas assez de def pour ma télé 4K. Voilà. On reprend les expressions autrement. Oui, je vais loin, non. Bon, la salle des coffres, j'ai un bal fou. Hein. J'y trouve rien. Ah, j'ai essayé sur mon monde solo de faire une salle des coffres parfaite. Bon, j'y arrive pas. Je le dis tout de suite. Ah,
Mais c'est à réfléchir, de se dire, tiens, j'ai trouvé 12 catégories, Mais mais comment bien en multi, classer c'est pour encore que... plus dur, quoi. En multi, c'est Ouais, encore plus c'est dur. vraiment difficile. Mais en solo, Il y a tellement de la salle blocs parfaite, maintenant en ouais, plus. y a trop de blocs. Bah, je cherche du sable, mais... Surtout, il y en a qu'on farme pas et que... Là, il y a du grès. Ah oui, du sable, je sais même pas s'il y en a du sable. Mais le logement est pas, le Mais il rangement est faut... pas du tout dans ma logique, donc... Ah, il est là. Enfin... Ouais, je sais pas si un... Parce que moi, je l'aurais mis à côté du grès, quoi. Mais... Oh, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. J'ai juste fait les petits panneaux avec les flèches pour dire de pas rajouter trop Mais de items frame. s'il te faut du verre noir, Z, je peux t'en passer, j'ai fini ce que je où est-ce que je bossais. Bah, je vais le cramer. J'en ai pas pour longtemps. Je vais aller plus vite. Je suis juste à Chaufferai côté. d'eau dans Oul. 2 minutes. Oups. Proche le cœur. Il va me rajouter 40, 40 coffres. Non, je veux pas 40 coffres devant chez moi. Faut juste que je... Ah, j'ai un four ici. Hop. Du noir, j'en ai. Avec les lags, c'est pas facile en plus. Ouais, donc ici, ça va être la cuisine. Je sais pas quoi en faire ce coin-là. Ici, c'est la salle commune. Oh, tu peux faire des latrines. Ça va tomber où? Dehors, pour les cochons. Dans la cour, hein. Ça va nourrir. Bah, oui, ça va les nourrir. Tu vas voir. Ça mange de tout, les cochons. Mon Dieu, les pauvres bêtes. Les nourrir avec ça, mais c'est cruel. Oh mon Dieu, je suis un monstre. Oh, c'est horrible. Ouais, en plus ça mange Oh de là tout, là mais là je sais là pas là. si ça mange de ça. Et qu'à peine de renseigner. Reline. Mon Dieu. Mais remarque, ça faisait éboueur dans les rues. Dans les rues, t'avais forcément ce genre Des cochons? de matière dans les rues. Alors, je pense que ça devait au moins goûter. Tu crois que les cochons étaient les motocrottes de l'époque? Ah, c'était, oui, des éboueurs, mais après, est-ce qu'ils mangeaient ça? Oh, oh là là Quelqu'un les là tenait en là laisse et puis... là. Aspirateur, boum boum boum! Oui, voilà. Je sais pas si on dit ça en Belgique, c'est des motocrottes ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bon, c'est des petits véhicules comme ça avec une sorte de gros aspirateur et ils aspirent tout. Les crasses. Y a eu ça à Paris. Je sais plus comment on appelle ça. Oui, à Paris, il me semble qu'il y a un nom aussi pour ce truc. Mais je crois qu'il y a eu qu'à Paris. Bah, ils appelaient ça des motocross, je crois. Ah ouais, c'est ça. Donc j'avais bien retenu. Sais pas si ça durait très longtemps. C'était pas du tout pratique. Oh, puis c'est pas un job. C'est un job de merde, on peut le dire. Oui, c'est ça. Bon, quand on peut s'en passer et qu'on peut trouver une solution qui met pas l'humain dans des jobs un peu... Déshonorant. Ouais, déshonorant, autant trouver des solutions alternatives, quoi. Et un job plus honorant pour les personnes comme ça. Après, t'étais sur une moto, t'avais pas de contact direct avec le...
C'est comment t'as pas de chance, tu roules dans une grosse bien. Non mais là c'est. Sinon t'es dans. Oh, j'ai même pas pris de violette, j'en ai même plus. Ah t'es en manque. N'importe quoi. Ah mais je pense que c'est ça, je suis en train de faire une rechute là. Oh mon dieu. Mais, on a pris combien de kilos depuis? Parce que ça fait quand même un moment là. Ah mais ça fait 2 semaines que je suis sevré là. Sevré? Ouais mais t'as pénalisé Lynn la pauvre. Elle, ah oui c'est elle qui a tout récupéré la peau. Mais elle aime bien, ça va, j'ai converti quelqu'un. C'est honteux. Bon, je ramènerai ça. Oh là 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 là. Enfin, non, ça je le garde. Qu'en veux-tu que mes coffres soient pas... Tout le monde est venu se vider de ses cochonneries devant chez moi, là. Oh. Je crois que le thème du live, ce sera les cochons et... Le cochon, ce fabuleux animal. C'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce que vous savez sur les cochons? Les autres m'ont dit qu'on n'entendait rien, mais Zed, j'ai mis un petit ventilo parce qu'il fait pas très froid chez moi. C'est un peu chaud. Mais ça va, tu n'entends pas dans le retour chez toi. Non. Ça va. Hop. Voilà. On a nettoyé un peu la place. Alors, j'étais en train de faire des vitres. Ah, un fût de bière. Hop. Il faut que je vide mon inventaire. J'ai trop de cochonneries là. Donc... Ah, ça peut servir, Marc. Ça, il me le faut. Le lait, ça peut servir. Les bâtons, ça peut servir. 32 coffres. Ah, bah oui, c'est ce que je viens de péter. Donc Lynn dit que le paquet a pas fait long feu. Ah. Mais maintenant, est-ce qu'elle va en reprendre? Ce n'était que des violettes mauves. Ah, parce que la violette, elle était rouge, faut s'inquiéter. Hein. Ah, il y en a quand même de toutes les couleurs. Depuis que t'as parlé de violettes, j'ai regardé un peu et il y en a pas mal chez nous. Hein. Oh. Je sais pas d'où ça vient vraiment, en fait. Des violettes d'une autre couleur que violette? Bah, oui. Des violettes roses, jaunes, au citron, à la fraise. Ça, ce sont des ricolas, mon cher. Ah, bah oui, c'est ça, je suis trompé. C'est pas des violettes. Non, mais en Flandre, il y en a beaucoup. Côté ricolas, c'est suisse. En fait. Non, pas des ricolas, des violettes. Il y a une marque qui s'appelle Violette? Oui, il y a plusieurs marques différentes, je ne vais pas les dire, mais... Il me faut... Dans tous les rayons, de tous les magasins... Il faut du muret. Ouais, j'aurais pu en faire aussi un... T'as encore du brun, Kisa? Oui, c'est par là. Est-ce qu'il y en a là? Il y en a un peu là... Ah, si c'est pour finir le paquet dans la soirée, vaut mieux pas en racheter, Lynn. Non, ça, tu le dis pas ? Non, ça, faut pas y toucher ça. Faut pas y toucher. Ah, d'accord. J'ai pas de jeton 30 kilos. Oh. J'en avais un pourtant. Ah, bah oui, il est là. J'allais dire, ça c'est encore un coup d'acquise. Voilà tous les blocs qui sont là. Il y a tout qui est trié. Ça va. Hop.
tranche. Bon, Aline, il y a le sucre et il y a le sucre. Hein, il y a le sucre, bon sucre. On a toujours dit, si c'est des bons produits, c'est pas grave. Comment se... Oui. Voilà, donc je prends du fromage artisanal, du saucisson... Avec du bon gras. De la région, et... du beurre fait maison, et puis voilà. Du miel de chez le voisin, du bon sucre. Bon, j'ai la coquille... J'ai la co qui me fait des misères, voilà, ce soir. Pop. Plein d'images perdues. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Aïe. Ça, je vais peut-être le casser. Et faire un truc comme ça, ce sera quand même plus joli. Voir de la constance. Non, j'avais des lags pas possible, mais j'ai réussi à live quand même cet après-midi. Mais là, ce soir, j'ai les lags et en plus, j'ai pas mal d'images perdues. Je suis à 2,5%. Ah oui, alors il y aura tout ça aussi à faire. Ah oui, sauf que de l'autre côté, on est dans la maison de chez le voisin. Bon bah tant pis. Le gars est plus sur le serveur, tant pis pour lui. Bientôt est à 3%. J'ai des roulades arrière comme c'est pas possible. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. En vocal, ça va. C'est vraiment aléatoire en fait, puisque samedi ça avait été. Oui, il y a pas de. On peut pas dire c'est tous les samedis. C'est aléatoire quoi. Oui, c'est. Ouais. Bah là, il doit y avoir du monde. Là, c'est le soir, il doit y avoir du monde sur. Mes voisins doivent être sur Netflix. Alors. Bon. J'en étais où? J'en étais ici. Ouais, mais alors là, du coup... Ouais, c'est pas grave. Alors... On se termine cette histoire d'escalier aussi. Alors. Ça s'en va et ça revient. Moi aussi, je suis vite parti sur des petites phrases. Ouais, j'ai pas d'escalier. Et c'est surtout du sapin. Remarque, après au-dessus, je pourrais passer aux chaînes. Hein. Oui, parce que le problème, si on fait un escalier ici. Bon, déjà, on n'a pas d'établi ici. C'est qu'on va coincer, je pense. Thank you.
j'ai deux... deux seaux de lait. Bon, on est à 4% d'image perdue. Hein. J'espère que c'est pas trop trop haché le... Plop, 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 plop. Le live. Ça fait fuir les spectateurs. Je pense que ça doit tellement faire diapo. Ah, je regarde en même temps, ça passe, maintenant il y a le décalage. Ouais, parce que si je fais comme ça. Bon. Ah oui, ici c'est le passage là. Oh, ça fait retarabiscoter. Ouais, non, ici ça passe quand même. Ok, j'avais pensé que ça passerait pas. Tac. Ici, on va être... Enfin, il va falloir quand même faire une cloison ou une séparation. Elle indique que ça coupe. Hein. Oui, c'est... Et puis je vois ça clignote vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge sur mon OBS. Hein. Là, par exemple, c'est vert. Et hop, ça bascule en rouge. Et hop, ça revient. Et hop, c'est rouge. Et hop, c'est vert. Et hop, c'est... Ça reste vert. L'image se fige, hop, c'est rouge. Oh, c'est quand même beaucoup. Hein. À 5% d'image perdue, là, ça le fait quand même. C'est vraiment fréquent. Hein. Pop, 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 pop. Alors après, éventuellement, je peux essayer de rebooter le router, mais... Histoire de réinitialiser la, réinitialiser la connexion et puis se dire... Oh, c'est un nouveau qui se connecte, il est sur Netflix, il faut lui donner du débit. On parle d'une guirlande de Noël rouge et verte. Ouais, Mélodie. Bonsoir, Grenet. Ouais, ça n'arrête pas, c'est clignotant, là. Hein. Ça fait un peu cata, quand même. Alors, je suis pas déconnecté. J'ai un lag impossible. Hein. Je clique, j'ai les réponses au coffre, aux établis. 4 à 5 secondes après. C'est assez impressionnant. Hein. Faut s'y habituer à jouer comme ça. Hein. Pop, pop, pop. Ah bah alors, attends. Je vais faire mieux. Comme ça. Et hop. Comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Et ici, on pète ça. Donc là, il faut que je casse. Ici, ici. À la limite. Ah ouais, mais donc du coup, ça fait pas beau. Ouais. Ah ouais, surtout que là, j'arrive. Ah, si, c'est bon, remarque. Oula. Jolie roulade arrière. Donc dans ces cas-là, ici on casse et on remet. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, le trou qu'il y a dans un plancher pour faire passer un escalier? L'escalier. Ah, c'est une question théorique, ça mériterait sa place dans le quiz de vieux. C'est une bonne question. Non, parce que ça s'appelle toujours je comme ça. Je dirais le trou déjà pour essayer. Le trou. Ça s'appelle une... Non, vous ne le trouverez pas, je pense. Hein. Ça s'appelle une trémie. Ah. Mmh. J'ai déjà entendu ce mot. Mais... J'allais dire cage d'escalier comme avec le Titanic, mais je pense que c'est pas pareil. Bah, la cage d'escalier, c'est, la cage d'escalier, c'est tout, le tube, le tuyau, toute la descente.
La trémie, c'est uniquement le trou qui permet de passer à travers un plancher. C'est ça. Bon, là, j'aurais pu le laisser, celui-là. Hop, voilà. On peut pas tomber, ah, sauf si ici. Ici, on peut... Ah, plop. Et on recommence. Orc-mash. Mais j'ai pas envie de bloquer... Ah si, on pourrait remettre. On pourrait mettre une petite barrière ici. Est-ce que j'ai des petites barrières? Je dois bien avoir une petite barrière quelque part. Dans tout mon fourbi, là. Dans tout mon brin. Merci Clem pour le suivi. Moi, j'en ai plein en plus. Qu'est-ce que je cherche? Des barrières. On va pas mettre du truc métallique, hein. Pourtant j'en ai. Ouh, j'ai plein de... C'est bien pour éclairer ça. Ah, j'en ai là. Barrière de sapin. On va donc mettre une barrière de sapin ici. Et on va mettre une là. On va faire un truc comme ça. Est-ce que ça fait joli? Ouais. Ça fait comme si c'était pas fini. On va faire comme ça. Hop. On pourrait presque en mettre une aussi. Ici et ici. Ouais, mais ça va pas faire joli d'en bas. À moins qu'on fasse un truc comme ça. Ouais, ça passe. Des latrines, on va pas faire une fenêtre de l'entrée. si c'est des latrines, hein. On va voir. Oh, ça donne sur cours, personne te verra. Hein. Alors, une petite fenêtre discrète, hein, en mode meurtrière. Hein. Peur de faire passer les odeurs. Oui, voilà. Hein. Ça, avec un petit bouquet de jasmin qui pend au plafond. Ou de violette. De jasmin. Voilà, faudrait de la laine. Je sais même pas pourquoi ça n'en est pas. La laine blanche. Ça là-haut, ça va pas. C'était l'ancienne façade, ça. On va le péter. On va le péter. Ça fait bim bam boum. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hop. Pourquoi on fait ça ici? On va quand même aller voir pourquoi. On aurait pu continuer la laine blanche là. On peut garder la poutre, Marc.
Bon, on est à 8% d'image perdue là. Hein. Ça pique un peu. Et puis alors au niveau jeu. Bon, c'est une galère sans nom. Hein. Je suis obligé d'anticiper. Puisque j'ai de la latence sur tout. Mes mouvements, mais les trucs qui tombent. Je pense que si ça continue. Des fois ça s'arrange hein, en cours de truc. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Mais si ça continue, je pense qu'on va arrêter le live. Parce que c'est pire que ce que j'avais ce matin, cet après-midi sur, sur Rolycube. Hein. Là, ça fait que clignoter. Vert rouge, vert rouge, vert rouge, vert rouge. La guirlande de Noël, comme dit Mélodie. J'ai une barre. Pff, qu'est-ce que c'est pénible. Qu'est-ce que c'est pénible. Bon, l'escalier c'est bon. On passe. Bon, il faudrait mettre une petite. J'ai encore de la barrière. Donc une petite protection pour pas qu'Akiza vienne tomber. Bon, là c'est bon. Ah, oh, c'est gentil, merci. Il me manque une barrière. Oh. En plus, j'ai de la barrière. C'est absolument pas bien rangé, mais il y a du sable. Merci Fredo. J'aurais été en reprendre, j'aurais été en remettre. Bon là, tant que le matin, j'ai plus du tout le temps de jouer. Là, c'est priorité au jardin. Hein. J'ai passé la journée à replanter des trucs. Pouh. C'est fatigant le jardin. En plus là il nous annonce du plus de 30 degrés. Il va faire chaud là. Hein. Demain et après-demain. T'as pas l'orage d'abord. Aujourd'hui ça a été... On a eu des passages jardin, gris, mais en fait la température ne diminue pas. Ça va être terrible la semaine prochaine. Bah après au bout de 3-4 jours à plus de 30 degrés, oui, il y aura des orages de toute façon. Ça fera du bien. Oui, bah, s'il n'y a pas de grêle. Ciel, hein, parce qu'il y a des inondations, tout ça. Bah, c'est ça. S'il fait très sec, il y a des inondations. C'est clair. Mmh. Donc là on peut se dire, oh ça fait bizarre cette poutre en plein milieu. Mais c'est l'existence, c'est parce qu'on a récupéré une vieille maison qu'on a traficotée. Quoi. Par contre là il me faudrait 3 laines. On va aller chercher les moutons. Oh il y a des cookies. Dans le jeu il y a des cookies. Je vais être obligé de manger des cookies. De la laine, je pense que j'en ai plus. Non, bah on va aller en chercher. Plop, plop. Ils se vendent par paquet de 64 ici, je trouve qu'ils sont industriels, ils n'aiment pas trop. Dans Minecraft. Quoi, ça, les cookies? Ouais, bah ça c'est par 64. C'est des gros paquets quand même. 16 paquets 64, c'est pas des cookies. Hein. Pop, pop. Des petits biscuits anglais là. Biscuits anglais? Ah non, c'était la marque. Ça ressemble aux Sims, mais t'as eu, faut changer la première lettre. Un truc chocolat noir avec de la menthe au milieu? Non, c'est la marmelade. Généralement, c'est une sorte de confiture de fruits. Ouais, voilà. Confiture à l'orange ou. Oh, j'aime que la version fruits rouges. Ah, parce qu'ils les font plusieurs parfums maintenant. Rond à l'orange. Ah, c'est anglais ça? Oui.
God save the... Ah bah du coup j'aime moins. Ils disent que c'est anglais mais... Tels que des petits beurs bretons. Enfin, bonsoir, je sais pas si Matterne. Plus de beurre. Je t'avais peut-être déjà dit bonsoir, Marc. Je viens de voir le message. Mais... Le petit beurre. Et bon, on va repartir dans le grand. Parce que qui dit beurre. Après, il y a le truc là. Comme... Le babeurre. Non. Le babeurre. C'est quoi le gâteau à base de beurre complet en fait? Ah ben il y en a plein. Ah non, un truc breton hyper connu mais naturellement ouais, avec un nom le 4 quarts couché dehors. Oui non c'est un petit rond comme ça. J'ai plus. Plug. Le Queen Amam. Oui c'est ça. Queen Amam. Oh c'est trop bon ça. Je crois que j'aurais jamais mangé moi. Ouais. Ah bah il faut, c'est un truc qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Bon, j'ai fait trop de fois dans ma vie. Ouais, maintenant tu tombes accro à n'importe quel produit la là. La violette, ouais. Si tu cherches un pseudo Minecraft, la violette. La violette. Ça fait nom de bateau, la violette. Ouais, ou nom de pirate. Plutôt nom de pirate. Ah oui, c'est vrai, capitaine La Violette. Avec son corbeau. Peut-être pas dit forcément capitaine. Non, le perroquet. Ah oui, le perroquet. Capitaine, ça doit faire peur. La Violette, ça fait pas très peur comme nom. Je suis désolé de. Ah bah si, premier abord, on se dit oh, ça va, c'est La Violette. Et puis après, il arrive là. Avec sa jambe de bois, son œil borne, son perroquet aussi, avec un œil de verre. La violette qui allait rester trop longtemps sous l'eau sans respirer. Ouh là là. Attention, la violette. Non, c'est pas la violette, là. C'est le bleuet, là. C'était resté le trop longtemps bleuet. Sous l'eau. Ça fait non, c'est la fleur, ça. Donc ça c'est les toilettes hein. On va faire une petite plateforme, une petite porte. Bon faut faire gaffe, il y a les voisins qui peuvent te regarder. Ah oui, puis il y a l'auberge là. Non, il faudrait avoir un système de. Parce que c'est que il y a la porte qui est quasiment. Il y a la porte du jardin qui est quasiment en dessous quoi. Ça c'est pas possible quoi. Faut pas sortir au mauvais moment quoi. Là, t'as des drôles d'idées. C'est comme les. Ah. Oh, c'est des situations qui peuvent arriver, non mais. C'est comme les arbres, faut crier attention. Oui, bon, attends, on va faire la porte. Raison. On va faire la porte par ici. Engrais directement. Oh là là. Tout frais, mon engrais. Oh, c'est horrible. Ah ouais, un petit peu, ouais. Là, je dois dire que vous faites très très oh là fort. Là. Hein. Bon, heureusement, j'ai déplacé la porte, même c'est pas bon. On n'a pas de doliprane ni de violette, hein. On est au naturel, là. Hein. Par contre, est-ce que vous auriez un bloc de pozzol, du coup? Oh, on tu en veux a pas le truc des âmes? Ça fait encore plus... Il y en a un près de la cathédrale, Le pozzol, si ça fait changer. Plus... Caca de... Je préfère faire le justement, bruit. Justement, il y en a deux près de la cathédrale, devant chez toi. Il y en a deux. Peut-être c'est trop deux. C'est dans le coin, là, vraiment derrière le petit muret. On voit que quelqu'un s'est laissé aller. Ça a été fait il y a longtemps. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Pas encore désintégré. Il faut le récupérer voilà, avec une. Si tu mets la version du pont. Une touchette de soie. Ah oui. Non. Oh non, tu peux récupérer la main. Ah non, ah oui, la pozzol, je confonds avec... oui, pardon, c'est moi non, qui non, dis bêtises. Ouais. Je confonds non, c'était pas le truc des âmes. Hop, voilà.
Pour ceux qui n'auront pas suivi le live, ils se demanderont mais pourquoi il a mis du puzzle là. Bon, du coup, ici. On remet du standard. Et après, dans le jardin, c'est utilisé. Les gens récupèrent ça. C'est le 16e siècle, hein. Puis pouf sur les carottes. C'est comme les bambous, là. C'est qui a fait ça? Le bambou, à mon avis, c'est les cochons qui font une blague. C'est le même. Je vais en garder deux. Ouais. Tu casses le bambou, mais il reste quelques secondes dans l'air. Ah bah ouais, normal. Ah ouais, là, ça n'a pas été... Ouh, bah j'ai du bambou. Oh, bah, il y a déjà du bambou de stocker ici. On va remettre des fleurs. Quoi. Oh, on a vu chez le voisin. Pas gêné le voisin. Impeccable. Ah oui, derrière, c'était pas super joli. On avait vu que il y avait un loupé à ce niveau-là. Bon, on s'en moque, c'est derrière. Mais ça devrait pas être du bois ici. Ouais, Frana, ton plan. Hop. Ici. Le truc blanc fait bizarre, mais bon, ça fait maison un peu tarbiscotée dans tous les sens, quoi. Merci Rana Templan pour l'abonnement offert à Christo. Gros bisous à toi. Merci pour le soutien, Rana. Ouf, ouf. Là, faut mettre une porte. J'en ai une de porte qui traîne. Je dois bien y avoir ça, non? Ouf, j'en ai 23 de portes. J'ai 23 portes. C'est étrange. Où est-ce que j'ai été récupéré? Où est-ce que j'ai bien pu être récupéré 23 portes, moi? Hop, on va faire dans le subtil. Et attention. Oh, je suis tombé sur le petit cochon. Non, tu rentreras pas, toi. T'es puni. Hop. Les cochons, c'est dehors. Alors, tu les as craftés il y a 15 jours? Les 23 portes? Non. C'était un hommage à... Ah, comment il s'appelle? L'homme qui faisait les ateliers par stack. Ah, zut, j'ai trop de mémoire. Enfin, il est hyper connu dans le monde Minecraft. Ah! Crypto oui, machin maintenant. Il est très connu et moi aussi. C'est ça. Il est tellement connu qu'on oublie son nom. Ouais, Fanta. C'était un hommage à Fanta. Mais c'est parce que notre mémoire va se mettre. Oh, j'ai perdu des mots. ça m'arrive aussi, ça, de temps en temps, de perdre des mots, des choses qu'on connaît très bien et puis. C'était quoi? Ouais, ça s'appelle la vieillitude. Tu vieillis.
Et tout le monde vieillit, ah, remarque. Hein. Terrible. Même les jeunes, ils vieillissent. Ils s'en rendent pas compte parce que... ils sont jeunes. Et tout le monde vieillit au même rythme. Oh, bah, je suis une fixette, une fixette sur mon âge. L'année prochaine, j'ai un quart de siècle. Ça me fait quelque chose. Hein. T'es vieux, Akiza. Un quart de siècle, tu commences à te perdre. T'es vieux. Ouais. Oh là là. Tu vas voir tes élèves, on dira, oh, le vieux. Attends, le pire, c'est quand tu vas avoir 30 ans. Oh, mais les âges symboliques, tout ça, c'est... Le pire, c'est quand tu vas te... quand tu vas avoir les genoux qui vont coincer un peu. Là, c'est variable, par contre. Hein. Il y en a, c'est à 50 ans, il y en a d'autres, c'est à 30 ans, ils ont les genoux qui... Bah, surtout si t'as fait des sports... Tiens, mettons-nous à dos, les sportifs. Non, j'avais plutôt parlé au football, genre de truc, quoi. Tu vois, des sports où tu t'esquintes, tu t'esquintes quand même bien les genoux, quoi. Accélération, freinage, accélération, freinage. C'est le genre de sport où t'es à la retraite à 35 ans, c'est cool. Ah non, je parlais pas des professionnels. Bon, peut-être pas physiquement, mais... Je parlais pas des professionnels. Chèques qui sont rentrés, c'est bien, quoi. Goffredo, t'as fait beaucoup de foot. Il fait pfff, comme si... Fantasio. C'était pas Fanta tout court à la fin ? C'était toujours Fantasio à la fin ? C'était ah oui, ça a toujours été ça. C'était le pseudo Minecraft The Fantasio 974. Pour être précis. Et Bob Lennon, on disait Bob, mais... C'est Bob Lennon, je crois, c'est pseudo entier aussi. Exactement. Ouais, mais entraîneur Fredo, c'est le gars qui a un peu. Qui a trop de bites pour pouvoir courir et puis qui crée après un Legend pour qu'il court plus vite. Oh. Ça, c'est le prof de sport, ça. Oui. Oh là là, j'ai une image de l'entraîneur avec un petit bite qui. Ouais. L'entraîneur. L'entraîneur, c'est ce qu'il dit. En canette. Fredo. 5 ans, il a fait ça. 5 ans de. Après, le seul sport qu'ils font, c'est trimballer la glacière, quoi. Bah, pour les boissons fraîches. À quoi vous pensiez d'autre ? Oh là 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 là. Bon, bah voilà. Bon, ça c'est fait. Et... Heureusement, la co est pas bonne. C'est pas non, non, oui. Là. Sans malentendu, ça passe. D'ailleurs, c'est reparti. La co est vraiment pas bonne. Mon toit il est trop petit, mais bon, on va pas le refaire. On a quand même bien changé ma maison par rapport à la version précédente. Elle est toute mimi. Elle est toute mimi, ouais, mais un petit peu trop mimi. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas encore ajouté les fleurs. On ne rajoutera pas de fleurs. Oh la vache. Ouf, ça pique les portes qui laguent. Hein. Et elles vont rester comme ça ? Vous les voyez comment ? Tu les vois comment, toi, Akiza, les portes ? Normal ? Fermées ou ouvertes ? Les deux sont ouvertes. Ouvertes. Elles sont ouvertes. Ah, parce que moi, le bas est fermé et le haut est ouvert. Ah, c'est pratique, ça. Des demi-portes. Oui, je viens de le voir maintenant sur le tour. Ah, là, donc, du coup, elles viennent de se fermer. Oui, parce qu'elles sont ouvertes. Dans la réalité, elles sont ouvertes. Donc, je clique, elles s'ouvrent, mais comme elles sont fermées, donc là, moi, je la vois ouverte et elles se ferment. Si je vais vite. Oh. J'ai des hyper montantes réponses. Ah, j'ai toujours qu'une barre. Ah non, il y avait quand même un petit coup de latence. Ça continue de bouger alors que je clique plus dessus. Un quart de siècle en 2023, il est d'un autre millénaire. Ah oui, il est pas né en 2000, il est né en 1998. Le pauvre. Tout à fait. Je dis le pauvre parce que du coup, après, pour calculer ton âge, c'est plus dur. Quoique, 98, t'as une astuce, toi. Bon. Tu rajoutes 2 à chaque fois. Ouais. Ma sœur, elle est tranquille, elle est en 2000 pile, elle. Alors, y a pas de difficulté. Ah oui, maintenant on dit en plus, ah c'est une 2000, ah c'est une 2005, ah c'est une...
Ah, bah surtout que les gamins, ils se foutent la haine générationnelle comme ça. C'est... Mon fils est 2010. Apparemment, 2010, c'est une très mauvaise année. Comme s'il y avait des crues. Bon. C'est pas le cas, frérot. Cool, n'empêche, pour ceux qui sont en 2010. Ah, j'ai cru que t'étais son père. Ah, bah, comme quoi, vous faites bien de mettre les choses au point, hein. Je croyais que vous étiez. J'aurais pas supporté être parisien, j'aurais pas supporté. Mais du coup, t'étais le frère de. Parce que Fredo, c'est le frère de Lynn. Oh. Parce que si c'est ton fils. C'est son neveu. T'es ton neveu. C'est une grande famille, Matt. Une grande famille. Bon. Là. Ouais. Bon, la cuisine. Cadeau. Oh là là. La cuisine, c'est nous. Ah oui, ça aussi, c'est une publicité. J'ai des références publicitaires, intéressant. Oui, mais il faut pas leur faire de pub. Non. Je me suis arrêté dans les années. Ouais, quoi, 2000, ouais, à peu près. Parce que j'ai plus la télé depuis. Ça fait 20 ans que tu n'as pas regardé la télé. Ah oui, oui, oui. Eh ben. On en a même pas. Donc tu peux pas regarder les émissions françaises de qualité. Alors après, peut-être qu'en Belgique, vous devez avoir les mêmes. Les trucs je style. Pas voir Hanouna et tout ça. Ouais, les Marseillais versus les Ch'tis. Les Français versus les Belges. Bah, c'est pas une grosse perte, hein. Les non, trucs, mais ils quand même, il y a des trucs. Le Marseille à la plage, bah, c'est tout un pan de la culture sociale que que tu loupes. Quoi. Duquel je m'écarte, c'est vrai, c'est dommage. Parce que tu peux pas te rendre compte du coup Internet de l'écart de niveau. Me le je mettrais bien du aussi, chêne. J'ai dit 2000, non, c'est 2010, un peu avant 2000. Ah, j'aime bien, ça fait. Quand dans Astérix, mais Cléopâtre. Mais c'est quoi cette porte au plafond? Ah, mais ça, si vous voulez construire un deuxième étage, il y a déjà la porte pour y accéder. Oh, c'est génial. Hop. T'as plus de copain, t'es tout seul? Mon pauvre pépère. Ah oui. T'es en train d'embêter mon cochon, toi. Pas du tout, on discute en toute amitié. Si t'embête, tu me le dis, copain. Hein. Attention, hein, je l'emmène en procès. Hein, si... Abouti. Côte de porc, dis donc, c'est un grand festin. Non, je regarde. Pas de mariage, je regarde des trucs scientifiques, moi, à la télé. Enfin, quand Madame Z n'est pas là, parce que j'ai pas le droit. Enfin, elle aime pas ça. C'est sur RMC, c'est. Il y a une émission qui s'appelle Alien Theory. Oui, oui, oui. C'est scientifique. Oh là là. Ah oui, ils se croient à fond. Ah bah, c'est scientifique, quoi. Avec un se. Ah oui. Oh bah ça vaut les autres scientifiques sur BFM TV. Hein. Oh oui. Et au moins on rigole. Il y a des trucs énormes quand même. Les mecs ils sont perchés mais élevés. Hein. Ah, j'ai vu une émission sur Twitch il y a pas longtemps. Quelqu'un qui montrait. Ah, j'ai oublié le nom vite. C'est des gens qui font des. C'est deux personnes qui ont travaillé dans le cinéma et qui sont des gens qui font des effets spéciaux. Et ils reproduisent en fait des théories, enfin des choses qu'on dit. Est-ce que par exemple, le dernier que j'avais vu, est-ce qu'on peut lancer Buster une carte à jouer? Oui, Mythbuster, c'est ça. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est pas mal en fait, parce que c'est il y a des bêtes questions parfois. Bon, au moins on a quelqu'un qui les essaye pour nous. Ouais, je ne sais pas si ça existe encore comme émission. C'était. Ah, je sais pas, c'était un replay comme ça. C'est... Ouais, c'est. Moi, je regardais ça il y a pas mal de temps. J'en ai regardé quelques-uns.
Bon, après, ça reste américain, donc ils aiment bien oui, faire des trucs avec des armes à feu et puis, puis exploser des trucs. Est-ce qu'on Michael Bay comment nettoyer un camion toupie de son béton qui a pris? Alors là, tu te dis, bon. Alors au début, ils essayent au marteau piqueur et ils finissent au C4. J'espère qu'ils vont ils sont américains, quoi. La solution ultime, quoi. C'est parce qu'ils peuvent pas utiliser de bombes atomiques, hein, sinon ils auraient essayé les bombes atomiques. Hein. Oh là 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 là. Ah, mais c'est notre culture. Renaud Temblant dit c'est tellement dur à comprendre Alien Theory que tout est doublé par une voix off. Ouais, mais ça, c'est le doublage bas de gamme, ça, en fait. Dans beaucoup, beaucoup d'émissions, maintenant, tout est doublé par des voix décalées, des voix off, en fait. C'est énormément ça. L'anglais. Ça, on entend les deux langues, on est en immersion. Non, parce qu'en fait, l'autre langue, elle est très baissée. Enfin, tu peux peut-être l'entendre, moi, je l'entends. On comprend pas bien, parce qu'en fait, t'as l'autre qui parle en même temps. Mais le français parle plus fort que la langue originale. Donc c'est assez spécial. Hein. Sinon j'aime bien regarder les trucs, les gars qui démontent les bagnoles, là. Occasion à saisir, tout ça. Je trouve ça tellement facile quand je les vois faire. Ah bah tu vas être copain avec mon papa alors. Oh mon dieu. Oh, il y a gare que ça. Ouais, mais c'est sympa, ça a l'air facile. Le gars il démonte un moteur, il démonte une boîte de vitesse, pouf 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 pouf. Deux coups de clé, ploup, le moteur il est par terre. Enfin il est par terre. Si je le faisais, il serait pas... Alors que là, non, il l'enlève et tout. Moi, j'adore ça. Il y a deux youtubeurs là, qui font des tests avec des voitures aussi, etc. C'est pas mal fait. Ils investissent dans leur petite émission, là. Et... Je sais pas si je peux citer le nom de la chaîne, là. Mais... Non, peut-être pas, je sais pas. Non, faut pas faire de pub. Non. Mais c'est par exemple, est-ce qu'on peut rouler avec une voiture sans huile? Alors ils roulent avec une voiture sans huile et puis ils vont au bout, quoi, jusqu'à ce que la voiture ne roule plus. Mais c'est intéressant pour certains trucs de le savoir. Tiens, en fait, la voiture, au bout de combien de temps ça pète, quoi. Ouais. Sauf que t'as pu l'escalader un petit peu avant et. Et après, elle va bien moins marcher. Beatbuster, ce que le truc qu'ils avaient fait, que j'avais trouvé rigolo, c'était qu'ils avaient testé l'histoire de tartine de pain beurré, de savoir de quel côté elle tombait. Et les mecs, ils s'étaient monté une machine sur le toit de leur hangar avec un petit tapis roulant. Et t'avais les tartines qui tombaient du hangar. Et puis il y avait un gars en bas du hangar qui notait de quel côté elle tombait. À toute, Fredo. Oh, ils ont vraiment fait tout. Le truc, c'était que c'était assez humoristique, en fait. C'était bien présenté, quoi. Oui, c'est ça. On sent que c'est mis en scène un peu aussi. Mais... Qu'il y a quand même l'expérience qui est faite, mais qu'ils en rajoutent une couche, quoi. Mm-hmm. Et là, ils avaient fait avec des sucettes. C'est des grosses sucettes blanches, comme ça. Je sais plus le nom exactement, mais c'est une grosse boule, mais énorme. Et en fait, apparemment, aux États-Unis, y avait eu des problèmes parce que ces sucettes-là explosaient. Y a eu des enfants qui ont été blessés par ça. Hein. Et donc, ils ont essayé toutes les méthodes pour voir comment ça se fait que ça explose. Donc, c'est des bonbons qui sont créés pendant. Qui sont mis dans un rouleau, le sucre se met dessus et ça tourne pendant 15 jours. Un truc comme ça. Et alors, c'est pour ça qu'il y a plein de couches différentes et de couleurs différentes. Et en fait, il s'avérait que certaines couches fondent plus vite que d'autres. Et le fait que la sucette est tenue en main ou qu'il y en a qui la mettaient au micro-ondes naturellement faisait que cette couche chauffait. Et donc, il y avait une pression à l'intérieur qui était trop forte et ça explosait effectivement. Impressionnant, en fait. Ils sont même brûlés dans l'expérience. J'étais étonné. Le genre de bonbons qu'on trouve encore chez nous... Plus petit, mais. Et oui. Comme quoi. L'histoire, n'est-ce pas? Merci, Furious Flocon, pour le suivi.
Tuk. Ah, ils vont la supprimer de toute façon, la redevance, il paraît. Des expériences. Oui, mais ils ont pas dit quand. Oui, comme d'hab. On fait les expériences Minecraft, hein, un peu sur Mats. Sur Mats, hein. Et on a fait des tests de lumière. Quelque part, on est un petit peu des testeurs aussi. Oui. On les craft booster. Craft booster. T'as parlé trop vite, t'as sorti un concept. Pas que les gens piquent l'idée. Il faut déposer la marque. Oui, craft booster. Craft booster. Avec la musique qui va bien. Bon, chanter comme ça, remarque, c'est bon. Hein. Personne ne fera de procès. Surtout qu'il y a déjà une histoire de... Il y avait une plainte de plagiat. Une plainte de plagiat sur la chanson du... Ah bon ? Ouais, il y a un gars qui a dit que c'était ça, c'était la sienne. Ça, c'est exagéré aussi. Après, quand t'as que 7 notes de musique... Il faut respecter les droits d'auteur, mais... Bah oui, c'est ça. Que t'as 50 chansons qui ont été écrites avec 4 accords. À un moment donné, tu dois juste te dire, ah, je suis content que ce que j'ai créé, tout le monde le reprend. Ah, t'essayes de te faire... tu fais des plaintes, tu fais des réclamations sur YouTube pour toucher les droits. Bon. Ah, c'est ouais. Comme une certaine, je ne connais plus son nom, hein, et qui avait posé une expression, mais je ne connais plus l'expression non plus, parce que comme elle l'a posée, je ne vais pas la dire. Mais bon. Non mais bonjour en allemand, quoi. C'était en téléphone, mes trois cheveux sur la tête. ou fenêtre. Oui, voilà, on peut dire. tu poses le truc et puis tous ceux qui disent fenêtre après. Ah bah une marque de burger fast food là. Ils voulaient poser la marque, mais le mot n'était pas. Ils ont pas pu poser parce que en anglais ça voulait dire rapide. Donc non, on pouvait pas ça quand même. Ils voulaient déposer la marque, donc plus personne n'aurait pu utiliser ce mot en anglais. Ouais. Donc ça commence à être. Ouais, t'es quand même un peu. Ce qui est vrai, qu'il faudrait que je diminue et je dégage mes coffres, moi, par contre. Donc là, c'est la cuisine. Bon, là, bon, on peut laisser ça, remarque, hein, dans la cuisine, il peut y avoir une grande table. Qu'est-ce qu'on est censé trouver dans une cuisine ? Le four, une table pour cuisiner. Le four, la table pour préparer les plats. Ça dépend les maisons, voire peut-être même les châteaux, parce que c'est très compliqué les l'évier. Mais oui, on pourrait en mettre un. Faudrait juste aller chercher le seau, tout ça. Un dressoir pour la vaisselle. Des bûches. Oui, un petit garde-manger pour mettre les ingrédients pour préparer. Ouais, ça c'est les coffres, quoi, en fait. Mais ça on peut pas faire. Fourchette. Oui, en gros. Non, des crochets. Je vais vider mon. Le carrelage, parce que. Ça je peux le garder. Pourquoi j'ai un bateau sur moi ? Tu la craft il y a 15 jours. Allez, je vais aller ramener tout le truc à la salle des coffres. Tout le brin à Fredo là. Bon, c'est stabilisé à 8% d'image perdue. Bon, j'ai déjà un four, je vais faire un fumoir, je vais rajouter le fumoir à pigeon. Oh là 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 là. Pigeon, oh les pauvres bêtes.
Pichon. Pichon, poisson. Ah oui, mais moi, parler l'ardennais, moi, pas tout comprendre. C'est quand même simple à comprendre comme langue. Je suis pas ardennais, mais... Ouais, mais t'es belge. Que, un peu. Je suis belge, alors... Allez, le belge, il comprend un peu toutes les langues. Hein. Non, mais si t'es belge de tournée, tes parents parlaient picard. Non, c'est pas de tournée. Je suis dans les Ardennes. D'origine. Ah, bah, comme à Kiza, vous devez vous comprendre. Le massif sans frontières. Le massif sans frontières. Ah non, la devise du département Ardennes, c'est Ardennes avec vue sur l'avenir. Ça promet. Ouais, parce que le précédent c'était. Mon Dieu. Je fais assez mal. Oh, je fais assez mal le bruit du sanglier. Réveillez-vous. Je fais assez mal le bruit du sanglier. On l'a reconnu quand même. Donc, vous l'avez reconnu. Bon, c'est bien. Ouais. Ouais. Imitation hors pair. Je pense que ça peut plus que l'ensanglier. Ouais. C'est spécial. Hein. C'est plus vieux. Non, violent. Ah, violent. Ah, ça, en mode plus en ça dépend si tu tombes sur une. Ah ouais, ça crie un peu. Sur une femelle qui est en train de se balader avec ses petits. Sinon. Ouais. Mais oui, c'est assez. Ouais, souvent, quand tu le entends en forêt, t'es pas très très à l'aise. Hein. Ouais, ça m'est arrivé une fois, j'en ai croisé un. J'ai eu peur. C'est gros, hein, moi j'en ai déjà croisé un sur la route. Ah, c'est... ah oui, oui. Tu t'arrêtes, hein. Ah non, mais. Pas de choper ce truc-là. Et moi je faisais le con, je voulais pas qu'il m'approche, alors moi je gueulais comme un con. Ah, c'est en mode je gueule. Non, on va partir. Il sautait devant toi comme ça avec les pattes en arrière. Ah, je voulais, mais. Enfin, je l'ai pas revu, du coup moi j'étais content. J'ai survécu, je suis pas mort. Voilà, c'est le principal. Mon Dieu. Dépérir en forêt à cause d'un sanglier. Oh là là. Après, tous les gens qui rencontrent un sanglier meurent pas, hein. Moi, c'est... moi j'imagine tout de suite le pire. Je suis perdu. Ah non. Ah, ouais, les cerfs aussi, j'en ai vu un quand bon, j'étais en voiture. Ah, on a vu plusieurs fois des cerfs qui traversent la route au moment où tu roules. Ah non, moi ils étaient sous le côté, c'était, je me rappelle, c'était dans la forêt de Loquignol. On est à côté du Quesnois. Oh, mais il était majestueux, j'avais jamais vu une bête comme ça. Un mâle alors. Parce que ah oui. Ils sont grands, eux. Ah oui, mais j'ai jamais vu un truc aussi beau. Oh, dans les Ardennes, on croise que les chevreuils. Ah. C'est pas le même gabarit. Faudrait que je garde des trucs à manger, là. Ouais, les citrouilles. Bon, les houes, on peut les garder. Aussi. Oh là 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 là. C'est reparti, hein. Ça s'était calmé. Et... poisson globe. Ouais. Moyen. On le voit en train de se bloquer. T'es à deux barres, là. Ouais, c'est... C'est peut-être le voisin qui s'est déconnecté, du coup, ça se redistribue, voilà. Ah, si je veux dire que je laisse... Allez, je vire tout le reste, tac, 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 tac. Ouais, ça repart en... Il y a un coffre à brin. Je dois avoir 32 coffres quelque part. Je sais plus trop où. Ah oui, et 22 portes. Ils sont où les 32 coffres ?
Ah, ils sont peut-être là. Ouais. Oula. J'ai des plumards, en veux-tu, en voilà. Pourquoi c'est mon... ma pelle qui est là? Ah ouais, je m'étais vidé un peu comme un goré. Charbon. Bon, ça peut servir, mais on va le mettre là, dans la cuisine. Après, je vais mettre dehors tout ce que je veux pas garder et que je veux ramener à la salle des coffres. Parce que tout à l'heure, on a, hein, y avait du brin dehors. Je vais en faire du brin, moi. Tu vas voir. Hop. Ah, bravo. Hein. Hop, 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 allez. Voilà. On garde que l'essentiel. Des flèches, du lait, de l'eau, un under chest, des cookies, des carottes et les outils de base. Voilà, un inventaire. Bonne fin de soirée, bonne nuit Christo. À bientôt. Ouais, c'est l'inventaire. L'inventaire ultime. Tiens, j'ai pas de bouclier. Je vais le poser quelque part. Bon, ça c'est des trucs qui peuvent servir pour... Ah, on peut rajouter les pommes d'or. Ça peut être utile. Un plumard. Ça peut être utile. Mais là déjà, on commence à... Tiens, ça je vais le mettre ici, dans le truc de la cuisine. Bon, là, l'air chaise, ça peut toujours être utile. Combien j'ai d'arc, moi? Alors, ceux-là, je les vide. Des torches, ça peut être utile. Oh. Il faut garder une place pour une table de craft. Ah oui, on a toujours besoin. Un établi, ouais. Ça peut être utile aussi de se balader avec ça. Ou alors, deuxième solution, t'en mets partout, tu en mets partout. Ah. Oui. C'est une autre option. C'est ce que je faisais. Mais après, il y a des gars qui les enlèvent. À la cathédrale, il y en a au moins, il y en a au moins une cinquantaine. N'a plus. Hop. Voilà, ça c'est un coffre à brin de chez Brin. Après, on peut en créer un deuxième, hein, si... Si on s'aperçoit qu'il y a un besoin, quoi. Ah bah, d'autant que des torches, j'en ai trop. Oula. Voilà. Hop. Hop. Oh, des steaks. Cuit en plus, on peut les manger. Lui, je l'avais vidé. Ouais, quasi. La paire de... Oh bah tiens, il y en a deux.
Ici, celui-là. Ouf. Ça, c'est le coffre de rangement de chez Rangement. Encore des under chest. Une soupe suspecte à la chimée. Des carottes. Du matos de remplacement. L'os. Hop, hop. Ah, ça, ça va bien pour le. Pour le tonneau. On va le bouger, le tonneau. Ah, il y a des trucs dedans par contre. Ah, ouais. Clé mystère. C'est quoi ce truc là? On peut l'utiliser ça comme bouchon sur les tonneaux. Bon bah ça je le garde. On le laisse comme ça, c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça fait un peu coffre de secours. Lui là. Le shulker, il y a des trucs dedans. Ça c'est une shulker qu'on peut se balader avec. On la garde dans un petit coin là. Hop, c'est parfait. Bon, on a bien nettoyé le coin. Donc qu'est-ce qu'on rajoute Ah oui, ça. Je voulais le bouger. Après, vu ce qui reste, on peut le péter. On le réinstalle. On va l'installer juste là, non? Quoique là, il va gêner, non? Oh, il gêne pas. Et on va y mettre un petit robinet. Hop. Ah. Voilà. Le robinet, hein, honorable maire de Reims, n'est-ce pas? Non, celui-là on avait dit que c'était bon. Ouais, non, le fumoir. Parce que le problème, c'est que. Pour le RP, il faudra les évacuer les fumées. Généralement, c'était des bâtiments faits exprès pour. Il y en a plein dans les jardins seigneuriaux. Il y en a un très beau à. Comment ça s'appelle ? Château Gaillard à Amboise. Il est super. Un fumoir ? Ouais, pour faire. Oui, pour faire fumer la viande. Ils ont même une glacière. Ce qui m'a étonné d'ailleurs. Et ça sent toujours fumé à l'intérieur. Ah ça je sais pas, j'ai pas été dedans. Ah je suis pas allé là-bas tout court. Et un four à... Il est beau. J'ai vu les photos. Il pourrait y avoir un four à pain. Ça c'est quoi ce truc là? Ça paraît bizarre, c'est ce truc. Grand luxe, on achète même pas son pain chez le boulanger. Fabrique son propre pain. Ah, mais ça m'a été à la maison. Ah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Maïté. Maïté qui aujourd'hui, parce que je regarde, je suis abonné à la chaîne de Lina, les archives. Ah, je vais lire de Maïté. Oh, bah, je suis entre guillemets en plus abonné à Maïté, si tu veux. Et aujourd'hui, il y avait une recette de pied de cochon. Hein, mon petit? Hein, tu vas regarder la recette du pied de cochon de Maïté? Bah oui, il est bon. Ouais, c'est marrant, Lina, parfois, il y a de l'humour. Bah tiens, chaudron pour faire la vaisselle. Pop. On peut même mettre de l'eau dedans. Voilà.
Par contre, j'ai plus d'eau matin. Où est-ce qu'on a une source infinie dans le coin? Me dis pas la rivière. Ah non, non, quand même pas. On va pas aller boire l'eau dégueu, voyons. On vaut mieux que ça. Voilà. Oula. Oui, voyons. Cool, merci. Je t'en prie. Alors, au fait, on peut le démonter, ce truc-là. Niveau lumière, c'est bon? Je pense. J'en sais rien. Bon, bah, s'il y a des creepers qui sont au-dessus, hein. Voilà, on saura que c'était pas bon. Quoi, le toit? Creeper. Mmh. Non, c'est tout des. Niveau du sol, oui, j'ai vérifié. C'est tout des escaliers. Sauf en haut, ça doit être un bloc. Non, c'est pas bon en bas. Attends, j'ai. Ça, on va le garder. On peut s'en servir. Laine. Hop. Bon, ben voilà. Ça, c'est la cuisine. Ouais, on aurait pu... Très belle cuisine. Avoir une table de travail. Voilà, pop. 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 Voilà. Ça, ici, c'est pas terrible. Ah oui, non, c'est qu'on aurait pu récupérer la place. Ah oui, ça en fait une belle cuisine là. Qu'il y avait derrière. Aussi faire le four à pain, ça aurait été beau. Vite, corrigeons cette anomalie. C'est donc que... Hey, du précieux. Ouais. Oh, y a un drapeau anglais, Fredo. Non, non, tu rêves pas. Mais c'est une prise de guerre. Suite à la guerre de trophée de la guerre de 100 ans. On est des anciens, nous. Alors, c'est vrai qu'on pourrait le remiser... On pourrait le remiser ailleurs. Hein. Non, je me suis en train de me demander si je vais pas décaler ce truc-là. Oh, quoique, non. Non, mais on va faire un... J'ai pas de... Les égouts et les toilettes publiques, etc., c'est à partir de quelle année? À quel siècle? C'est vieux. Les égouts... Enfin, c'est... Non, c'est moderne. C'est moderne, les égouts. Moyen-Âge. Oui. Ça dépend des endroits. Mais en règle générale, c'est assez moderne.
Et pour les toilettes publiques, ça dépend. À la fin du Moyen-Âge, il y avait des petits établissements en bois ou en pierre, ça dépend de la fortune des villes. Où il y avait plusieurs espaces pour faire ses besoins. Par exemple, à Troyes, il y avait une ruelle du pipi qui servait justement à faire pipi. Voilà. Et dans ces dernières, on a déjà fait une ou deux maisons. Enfin, entre guillemets, maisons, c'est qu'il y a les latrines publiques. Je suis jamais allé. Je faisais toujours ça dans la rue. Et le papier n'est pas offert. Ah bon? Eh non. L'époque des éponges, c'est fini. Ah d'ailleurs, je sais même pas si... Non, je pense pas que c'était du papier. Ça devait être des morceaux de tissu, je pense. Date d'invention du papier hygiénique. Pour le quiz. Alors... Il faut d'abord trouver la réponse. Bon. Alors si ça tombe, celle-là, ça peut être cassé aussi, ça. C'est pas si vieux que ça. Enfin, ça dépend comment. Ça a dû arriver avec le capitalisme. Justement. On peut vendre quelque chose que les gens veulent tout de suite. Made in the USA. 1857. Ah! 1857. Américain. Hein, tiens. Donc, ça, on va le déplacer. Pour la flotte. Oh vache, ça fait joli quand ça explose et que c'est plein de flotte. Alors ça, on va mettre du parquet là. Ouais, jusque là. Il faut du parquet. Oh, j'en ai. Faut juste que je gère le lag. Voilà. Ouais, puis là on va le laisser comme ça en cobblestone. Ces environs ici. Voilà. Donc pour faire la vaisselle. On va s'installer là. Hop. On le remplit d'eau. Hop. Pour poser les trucs là. À laver. Ah, puis des trucs secs ici. Oh, t'as vu l'organisation un peu? Magnifique. C'est sale. Ploup, 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 on nettoie. Pouf, on pose là. Là, il y en a un qui essuie. Hop, il range tout. Ah, bah, t'as une petite bannière pour faire la serviette. Allons chercher ça. RP jusqu'au bout. Ouais. Et puis, on va peut-être s'installer un petit fumoir quand même, là. Donc, faut juste faire un four. Maintenant, je connais la recette. Hop. Il est joli le bloc. Ah, c'est pas ça?
Ah si. Pardon. Et hop, le retour des images perdues. Bon, on va le mettre dans le coin. Puis on peut mettre un coffre à côté. Ah oui. Ok. Oh, si tu veux le mettre ailleurs. Ah, ce qui aurait été bien, c'est que la table soit peut-être au milieu. Oh, quoique. Oui, c'est plutôt au milieu la table. Et on va la faire en chaîne pour qu'elle se démarque. Hop. Oh, je te le rends, je suis pas un voleur. Non, non, mais c'est. Il y a tellement de latence. Entre ce qui tombe et ce qui revient. Ah, par contre, en chaîne, je suis un peu juste. Il doit y en avoir là, non? Ouais. Ouais, on va faire une table de 2 sur 3. Ouais, puis là on a de la place. Hop. J'avais un cadre, je crois. Ouais. Hop. On va pouvoir les mettre au boulot. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un poisson. Ah ben, un saumon cru. Voilà, ils sont en train de préparer le saumon. On est même pas vendredi. Hop. Voilà. Peut-être qu'il faut le fumer un jour à l'avance. Hein. Oh, le salé, tout ça. Oui. Voilà. Et le retour des images perdues, comme tout à l'heure. Pop, 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 pop. Un petit peu du rail ce soir. Bon, et ben. Ouais, le drapeau. Trophée de la guerre de 100 ans. Non, on va le garder, mais bon. Le truc là, on va le déplacer. On va pouvoir le déplacer. Oula, j'ai pété l'autre à côté. Hop, on le met là. Voilà. Ici, bon, c'est des trucs qu'il faudra remonter, ça. Ah, j'en ai d'autres. Ah, on peut. J'ai d'autres cadres. En face, on peut préparer les carottes ici. Je n'ai pas pris le cadre. Si. Hop. Voilà. Un bon petit repas équilibré. Saumon, carottes. Il manque des patates. Il manque des patates. Mais on. Les patates, c'est quand même plutôt 18e siècle. Et encore. Vous connaissez. Oui, fin du 18e, plutôt début du 19e, ouais. Après la Révolution française. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, parce que les gens ils mangeaient les. Ils mangeaient les feuilles. Ils mangeaient la verdure. Et la verdure, la pomme de terre, c'est toxique. Il y a peu de gens qui le savent. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a personne qui mange le vert des pommes de terre. Le vert de la plante. Ça fait un. Ouais, c'est assez fourni comme truc, hein. C'est. Donc c'est logique à un moment donné que tu dises. Les hommes. Je t'ai pas. Je t'ai coupé.
pense que ça doit couper des fois. Ah, non. Non. On va mettre de la lumière au-dessus de la vaisselle hein, pour qu'on voie bien les saletés. Et puis on va mettre une lumière au-dessus de la table. Donc là, on peut enlever celle-là. Je pense qu'on doit avoir de la lumière partout. 9. Pop, 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 pop. J'ai perdu la lumière. 7. 8, 9, 10. Ouais, maintenant, avec la nouvelle gestion de la lumière, on n'est plus obligé de mettre des torches partout, quoi. C'est vraiment le top, ça. Ouais, c'est mieux. Et un spawner, une seule torche suffit pour l'éteindre. Ouais, alors qu'avant il fallait en mettre presque 5. Plein autour, là. Ouais. Par contre là je suis à 0 là. Ici ça va pas ça. Oh, je suis tombé. J'ai tombé. Ah, il n'y a pas de protection bébé alors. Non, mais tu peux pas te faire mal, mais. Non, j'aurais bien aimé mettre la. Le truc au milieu, mais. Ah ouais, c'est du père. Enfin, c'est un père, mais. J'ai mis une planche. J'ai mis une dalle en position haute. Ouais, je mette une dalle. De toute façon, il m'en faudra deux parce que de l'autre côté, j'ai loupé un truc. Donc, la cuisine, on peut accéder. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'était Asp, hein. C'est l'escalier. Ça. Bon, le boss est fait. C'est bon, c'est propre. On a bien tout rangé. Donc maintenant, donc ça c'était la cuisine. Le maître de séant, il entre. Le maître maçon, il arrive. Il rentre là, hop. Et là, il est dans la pièce commune. Donc déjà, on va virer tous les plumards. Voilà. La chambre de. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. La chambre de monsieur, la chambre de madame. Ils ont le droit à des grands lits. Pourquoi il y a un truc ici Ah, ça triche ici. J'ai pas de bloc. Bien, j'avais 5 de lit. On en remettra là-haut. Ces coffres-là, faut les dégager. Oh vache. Contient du brin. Je sais pas ce qui est le pire. C'est dégager les coffres ou Bon, on va utiliser les shulks.
On se revide à nouveau son inventaire. On le reste, on le garde. Allez, on vide ses coffres. De l'or. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Des caisses sonnantes et trébuchantes. Oh, je suis déjà plein. Lui, il est plein aussi. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut stocker comme cochonnerie? Allez, on fait un vide-grenier. Ah, de l'os. Les os... Ou des... Non, des cookies... encore une houe. Et on les collectionne, les houes. Hein. Une hache pour tuer l'anguille. Un disque. Non, mais les non, disques... Non, tu vas au Mars. Elle prend quoi, Maïté? C'est pas le rouleau pâtissier qu'elle prend pour assommer l'anguille? Je m'en rappelle plus. Oui. Oui, c'est le rouleau pâtissier. Il y a un moment, il vole. T'as dit, c'est vrai qu'elle tape fort. T'es sûr que c'est le rouleau pâtissier? Ça glisse surtout. Oui. Une batte de baseball, bah, c'est un truc comme ça. Je regardais tout de suite. C'est un truc culte. Oh, je suis sûr que c'est un truc pâtissier. Ça y est, j'en rigole alors que je sais, ça l'apprend même pas. Ah là là. Maïté et l'anguille, c'est où? Maïté et l'anguille. Alors. Ah, c'est pas une ici. C'est pas un rouleau pâtissier, c'est une sorte de petit marteau là. C'est un petit maillet. Ouais. J'ai perdu ma shulker. Ah, il y avait un objet. Oh là. C'est toi qui l'as récupéré, Fredo, ou. Oh, pète. Oh. Ah, ça y est, je l'ai récupéré. Et la dame à côté, elle s'appelle comment en fait? Parce que, on l'a ah, c'est Micheline. Micheline. Ouais, c'est l'aide de camp que... de Maïté. Ça... Ah, comment elle tire sur la paume. Mais tirez, faites pas semblant, ma Jacqueline. Micheline, mais tirez. Oh là là. Oh là là. Ah, la carte... Ouais, je le sens, je vais le faire bientôt parce que le père, il va partir à la... Le père, il va partir à la chasse à l'anguille. Oh, si nous en ramène une, oh, on va s'amuser avec ma mère. Oh mon dieu. Je sais pas si j'ai déjà mangé ça. Mais selon ma mère, c'est très bon. Faut aimer la vase. Mais c'est pas électrique. Non, ça c'est des Tesla. Comme les betteraves, moi j'aime pas. Oh là là, c'est un goût de terre. Je disais tout à l'heure que ça allait, quoi. Betterave rouge, c'est bon. Quelqu'un avait dit sucré dans le chat. Oh non, j'aime pas. Ah, j'aime pas les crudités, moi. Faut que ce soit cuit, sinon je peux pas. J'arrive pas. Oh, de carottes. Ah ben non, faut que ce soit cuit. Je mange pas les carottes crues. Tout ce qui est cru, j'aime pas. Oh bon. Ah, je suis anti-cru. Anti-cru. Il est cru. Les jeunes, c'est difficile. Hein. Compliqué. Mais je mange la guerre. Ah bah, c'est sûr, je ferais pas la guerre, hein. Oh là là. Bon, les pommes de terre crues, c'est pas bon. On couper les pochottes pour faire des fées. Mais les fruits, mais, étrangement, ça passe. Les fruits les crues, frites. J'y arrive. Ah, les non, fruits. Les fruits. Ouais, les frites, ouais, les frites comme crues, légumes, oui. Ça passe, ouais. Quelle honte. Il y a encore de l'os, là. C'est la tomate, c'est un fruit ou c'est un légume?
Oh, mais c'est un éternel débat. Bah. Mais en fait, on peut avoir la réponse. Est-ce que tu manges? Est-ce que t'aimes bien ou pas? Techniquement. La tomate, oui. J'aime bien. Techniquement, c'est un fruit. Après, personne ne le mange comme un fruit. Hein. Partout dans le monde. Hein. C'est comme le. Bien mûr avec un petit peu de sel. La fraise qu'on mange, c'est pas un fruit. Hein. Le gros bazar rouge. Le fruit, c'est le petit. Ah non, c'est le petit bazar. La racine. Qu'il y a sur la. Sur l'espèce de truc rouge là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom. Et donc tous les petits points qu'il y a sur la fraise, c'est ça le fruit. C'est les graines. Oh, je pensais que c'était les graines. Bah, c'est aussi des graines. Mais si t'enlèves ça, il n'y a plus de goût. La fraise a plus de goût. T'enlèves les petites graines. Ouais, faut déjà avoir du temps à perdre. Hein. Mais il y en a qui ont du temps à perdre. Oh, bah t'en as, j'ai vu ça sur YouTube, les trucs de vidéos de bricots à la con là. Il est quelle heure? Il est 23h, je peux le dire. Oh, non, mais par exemple, si tu veux faire une gelée de fraises, c'est pas possible parce que une gelée c'est quasiment transparent et les graines, tu sais pas les broyer si fin pour que. Ah, mais tu les passes moi je les passe au chinois ou passoir, à la passoire, comme ça ça retire toutes les graines. Ben oui, mais tu les perds, tu perds tout le goût de la fraise. Alors Non, vu que. Enfin, moi je fais ça. Le débat est lancé, est-ce que l'ustensile de cuisine, on peut toujours encore l'appeler un chinois? Ou est-ce que maintenant il ne faudrait pas. C'est vrai. J'ai pas entendu d'alternative pour le moment, alors moi je partirais sur. Passoire. T'as descendu tout ce qu'il y avait en haut, Fredo? T'es en train de classer par bois et machin? Pas mal. Ah, il y a du steak. C'est pour moi le steak. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Bon là, je peux pas lutter hein, avec ma côte brun. Tiens, tu n'allais pas passer sur le live. Il a pas laissé un indice pour son cuisse de vieux. Je pense à ça maintenant. Dudule. Non, il est passé ce matin. Mais, cet après-midi, mais je me souviens pas de. Le bouton. De courtoisie. J'ai pas vu si on avait donné la réponse. Oui. J'y arrive pas. On peut pas appeler le chinois une passoire, c'est deux trucs différents. Oui, bien sûr, mais ça fait un peu le même office, quoi. Après. Oui. Oui, oui, parce que une passoire, la passoire, c'est avec le moulinet. Ah c'est non, plus ça rond, c'est un écraseur à patates, ça, avec le moulinet. Ah, écraseur à patates. Non, c'est pas le nom officiel. Un faiseur de purée. Le faiseur de purée. Faiseur de purée. Bah, à mon avis, à un moment, ils avaient plus trop d'idées pour les noms des ustensiles de cuisine. Et il fallait absolument trouver des noms. Ouais, celui-là il est quand même tarabiscoté. Ah hein. Bon bah ce sera le chinois. Celui-là il est quand même pas mal tarabiscoté. Hein. Je pense que ça devait être à la base. Maintenant ils sont ronds, mais avant ils devaient être coniques. Et peut-être que ça devait leur faire penser au chapeau chinois, peut-être. Chapeau chinois. Qui a ensuite bah, été raccourci en chinois, peut-être. Peut-être que c'est un truc comme ça. Ça me semble logique comme histoire. S'il faut faire l'histoire des ustensiles, on n'est pas couché. Et la passoire, c'est plat alors? C'est ça que t'as dit. Bah, c'est plus arrondi, quoi. C'est comme un cul de poule. Et c'est plus grossier. Parce qu'il y a aussi pour moi, c'est plus grossier plat. Une passoire. Ça va laisser passer plus de trucs que. Un chinois, c'est plus fin.
Ah, c'est vrai que c'est plus oui. chinois. Mais est-ce que c'était comme ça à l'origine? C'est encore différent d'un égouttoir. Donc là, c'est la grande salle commune. Donc là, une chambre. On va se faire. Ah, je vais aller récupérer. Ah, j'ai toujours le sable. Et toujours les ces fameux images perdues. On tourne autour de 9% là. 9% et demi. Hein. C'est reparti. Ça s'était calmé. C'est reparti. Mais 23h14, je pense qu'on va arrêter le live là. J'ai un mal fou à jouer. C'est vraiment très dur. Entre le moment où je clique et Si c'est pas amusant, ça sert à rien. Mmh. Je crois que tout le monde le comprend. Des coffres. T'as encore tout changé. Il y avait du bois. Ah non, c'est là. Je vais prendre deux coffres. On va se refaire une barrique. Poc poc. Poc 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 poc. Poc poc. Et c'est pareil pour le mouvement par exemple. Quand je prends un truc, là il est pris, mais il sera effectivement pris que au bout de quelques secondes. Donc si je le prends et que je le pose à la place d'un autre, bon évidemment là pour la démo ça marche. Mais parce que là la co elle est revenue. Mais sinon j'ai une latence même pour le déplacement des objets dans les trucs. Donc faut tout le temps que je fasse gaffe à ce que j'ai fait et... c'est vraiment pas évident. Ouais là c'est bon. Donc ouais, voilà par exemple. Là. On va se mettre une autre barrique ici. Et je crois que j'avais vu un autre crochet. Pourquoi j'ai autant de boutons? Ah ben les problèmes cutanés, hein, c'est quelque chose. Hein. Ça c'est l'adolescence. On est tous passés par là. Non, j'ai eu très peu d'acné moi. Ah, y en a qui ont eu de la chance. Oh là là. Mais bon, nous, notre aussi. Temps, on était plus costaud. Hein. Pas de barbe. On non, mangeait là. Des légumes crus. Oui, on mange. Ah ben bah, c'est peut-être ça. Si tu manges des légumes crus, peut-être que t'as moins d'acné. Ah oui, c'est la. Bon, je pense que c'est surtout l'alimentation. Hein. Nous, on est la génération plus McDo, tout ça. Alors c'est plus grave, tout ça. Alors c'est. Vous devez prendre des médicaments après pour compenser. C'est ça, tout à fait. Ça les pommades. Ça explique pourquoi t'es plus grand. Les nourritures riches, ça donne des grands enfants. Hop. Oh, dis donc, il y a un bloc de diamant, c'est cool. Il est riche, pépère. Hein. Ah oui, j'étais parti. Pour mettre deux coffres là-haut. J'avais vu une image dans une revue scientifique un peu comme ça qui montrait l'homme comment il serait dans des milliers d'années avec la justement l'alimentation etc qu'on a. C'était complètement difforme, c'était horrible. Ah bah déjà ils sont déjà plus un humain. Ils sont déjà optimistes de penser que l'homme sera encore là dans plusieurs milliers d'années. Hein. Ouais, c'est horrible. C'était complètement difforme, très grand, plus en boule comme ça. Fin... Ouais, des rats géants quoi. Ouais, moche. Faudrait des dalles. Il paraît quand même que c'est possible qu'on avait qu'un œil avant. Ou deux, ou trois, je sais plus. J'ai plus.
Oh, du temps de l'ami, bah, on avait même pas d'œil. Ah bah. Et on avait des poils. On avait des poils pour se déplacer. Ah vache, je me suis trompé. Et on mangeait des légumes crus. L'amibe ? Non, pas trop. Les algues. Non. T'aurais aimé être une amibe. Akiza. Je dis une amibe, mais ça aurait pu être un protozoaire. Ah bah attends, comme ça, quoi. Attends, déjà, je connais même pas le truc. Alors, faut que je regarde sur Google, c'est quoi une amibe là ? A-M-I-B-E. Amibe. Alors, voyons voir. Oh, mais c'est une petite bactérie. Oh, mais c'est. Ah, non, c'est quelque chose, hein. Non, c'est pas vraiment une bactérie. Un truc moche. C'est ton père. Mais enfin, c'est microscopique, le machin. Ton grand-père. C'est notre ancêtre. C'est ton ancêtre. Arrière. C'est l'ancêtre commun à tous. Tu peux pas dire que ton père était moche, quoi. Enfin, juste avant qu'il sorte de l'eau. Un peu de respect, quoi. Oh mon dieu. Un peu. On était quand ça, même. C'est ça, ce sera ça les humains de demain. Oh mon dieu. Ah bah, tout retourne, tout retourne à la base, hein. Il... J'ai remonté le truc. Je suis un grand. Oh non, s'il fallait que je me réincarne selon les principes bouddhistes, je me réincarne en pan. Hein. Quand ça, je casse les oreilles aux gens dès le matin. Léon. Alors, je sais pas si c'est toi. Je sais pas si c'est toi qui choisis. Il me faut de la terre cuite blanche. Je sais pas si c'est toi qui choisis le. Dans quoi tu te réincarnes. Non. Et tu sais que tu te réincarnes dans un animal, enfin tu te réincarnes sur un animal si tu as fait des mauvaises choses. Si tu as fait des bonnes choses, tu t'élèves. Le fait de te réincarner en animal, ça, c'est parce que tu descends. Enfin, il me semble hein, qu'on m'avait expliqué comme ça. Ça me dit quelque chose aussi, ouais. Alors évidemment, il y a des animaux plus snobs que d'autres, je crois. Hein. Je pense que ça doit être plus noble que rang, que rang, quoi. Jésus. Que rat ou lombric, quoi. Mouche. Oh mon dieu. En quoi? En bouche? Moustique. En mouche. Mouche. Ah, mouche. Non, pas une bouche tout seul. Mouche, c'est un film d'horreur, ça. Je sais pas ce que t'avais, mais... La mouche. Vous l'avez vu? C'est cool comme film. Ouais. J'avais eu peur. Ouais. C'était assez flippant, ouais. Là, il y a le vieux. Le mais vieux je sais pas vieux si en noir regardé et blanc. Jusqu'au bout d'ailleurs, maintenant. Même le vieux en noir et blanc, il est. Ouais, Ah, c'était un remake. Il y en a un en noir et blanc, le film Mouche. Ah oui, c'est un vieux film. Un très 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 vieux film, le premier, ouais. Ah, bah, j'aurais peut-être regardé le tout premier alors, parce que je savais pas. Je pensais que c'était de la version américaine, moi. Là. Ah, c'est un film américain aussi, le premier, mais bah, comme il. De toute façon, oui, mais quasiment bon, tous les films modernes. Comment il s'appelle l'autre. Bonsoir, le Duc. Ouais, on peut pas les délaver la terre cuite. Merci non. Pour ton abonnement. Les couleurs. Non. Merci pour ton abonnement, le Duc. Merci pour ton Prime. Troisième mois. Oh, carotte. Troisième mois, c'est la carotte d'argent. Et merci pour le soutien. Tiens, on va manger un steak. On va penser à Kiza. Le cannibalisme est réprimé dans la plupart des sociétés. C'est du steak de vache. Le pan mange du steak. Hein. Ah. Mange du steak. Ah hein. Oh, oui, c'est vrai qu'à la Renaissance on mange encore du pan. Tu savais pas que le pan mangeait du steak. Ben logiquement, dans les recettes médiévales, le pan, on gardait que la peau. On mangeait pas la viande du pan. On a trouvé que elle était trop fade. Non, mais le pan, il faut bien qu'il se nourrisse de quelque chose. Tu crois qu'il mange des graines ou quoi? Oui. On mangeait du steak. Non, on lui donnait les graines. Je ne mange pas de graines. C'est quoi ce truc?
et le pan, du coup, on gardait la peau, les plumes et tout ça, et on le farcissait avec trois viandes. On mettait du beurre. Le faisan. Le faisan aussi. Mais la viande de faisan, elle était meilleure que la viande de pan. Et la viande de pan. Le pan, du coup, c'est un mélange de bœuf, de mouton ou d'agneau, je sais plus, mais c'était de cette farine-là. Et la troisième, c'était, je crois, c'était du porc. C'est un truc que t'as lu, que t'as lu encore dans une émission de Maïté. Pas du tout, pas du tout. C'est les livres, ce sont les recettes de comment ça s'appelle. C'est un livre de recettes médiévales. Je sais plus quoi il s'appelle. Alors Marguerite, regardez, on va prendre un pan, on va le fourrer au porc. Attends. C'est pas Marguerite. Je crois que c'est le Talendier, j'ai un doute. Qui veut des recettes Moyen-Âge. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Ah non, c'est le Vivandier, voilà. Ah, ça me dit quelque chose, le Vivandier. J'ai déjà dû regarder des trucs de. Oui, il y a plein de recettes. Je suis en train de chercher quelque chose. Ah, du bois. Bah, j'en ai du bois. C'est tout ce qu'il me fallait? Ça m'étonne. Redescendant, hein. C'est pas grave. Ah ouais, parce que c'est tout. Ça a l'air tout moisi derrière là. C'est dommage qu'on n'a pas les planches moisies. C'est dommage. Parce qu'elles y sont sur les textures des bateaux en dessous. Ah mais c'est vrai, hein. Ça pourrait être génial pour les vérandas, tout ça. Tu veux faire des vérandas moisies, toi? Ça, c'est les délires d'un décorateur. Ah, faudrait que je mette... Bah non, ça, c'est la chambre faire, de... un peu le... La chambre de monsieur, il y a la chambre de madame. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme symbole pour madame? Et encore des... Alors, elle a un prénom particulier en rapport avec une déesse, genre Diane. Comme ça, on fait la lune. Elle a un animal fétiche, je lui fais une bannière si elle veut. Une perle, un diamant, une émeraude. Ah oui, un bijou. Une fleur. Ah bah, il y a un bloc de diamant, tiens. Un bijou. Par contre, il me faudra un cadre. Eh tiens, le bloc de diamant. Hop, pour madame. Voilà, le maître maçon est riche. J'ai pas de cadre. Bon, si on a du cuir. Est-ce qu'on a du cuir? C'est dur à cuire. Oui, on a la salle commune. Moi j'ai même pas de cuir. Mais j'ai des tonnes de trucs. Alors du brin j'en ai, hein. Mais des trucs intéressants, que pouic. Ah oh, si j'en ai là des cadres. En fait je soupçonne les gars d'être venus remplir mes coffres de tout un tas de cochonneries. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas à moi, hein. Ah zut, c'est écrit Diam. Ah ça va pas être possible. Alors comment on fait dans ces cas-là? C'est très simple. On le pète. Ah non, on peut pas le péter. On peut pas le... Ah si. C'est juste mes lags. Ouais, non. Et, si, hop, et on le refait. Et il a plus son nom. Après, il a beaucoup moins de valeur. Puisqu'il s'appelait Diam Skyra. Il doit être vieux celui-là. Hein. Oh, c'est vieux ça. Ouais, je sais. Merci Fred. Du vieux brun. Non mais les gars ils viennent où il est mon... Oh non. Oh j'en ai marre. Il est où? Ah il est là. Voilà, maintenant le bloc de diamant il porte plus de nom. Les gars ils viennent déposer du brin chez moi là. Hop, un bloc de diamant, c'est honteux. Bonsoir Chelko. Hop, voilà. Donc ça c'est la chambre de madame. Ça c'est la chambre de monsieur. On voit le gars qui bosse quoi. C'est un maître maçon, il aurait pu avoir une pierre hein, plutôt que qu'un établi. La petite cheminée. Pop, voilà. Merci.
Là, un vest épais sein de chocolatine. Ouais. Non, mais faut arrêter là. Moi je dis faut arrêter. Hein. Ça va mal finir. Ça doit être encore un vieux délire, ça. On pourrait. Avoir un truc qui éclaire du plafond. Donc on a combien de haut? 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ça va être juste. Hein. Mais bon, on peut mettre des lanternes hein, pour que ça fasse moderne. Ça, c'est le gars qui se la pète un peu. Paf, deux lanternes. Et hop, on enlève ça. Merci Dark Volta, merci pour le suivi. Alors hop, on vérifie la luminosité. 6, 5, 4, 3, 2, oui, 1, non, 2, par ici. Par ici là-bas. 5. Hop. 4 par ici. 8, 7, 6, 5. Impeccable. Et rien qu'avec 2. On a assez de lumière. Bon ben voilà. Donc faudra mettre une grande table là, je pense. On va se faire ça en chaîne. Oh là là, les images perdues. On est à 10% d'image perdue. Hein. La catastrophe. La catastrophe. Il est 23h30. Je pense qu'on va arrêter le live dans pas très très longtemps. Ça, c'est de la grande table. Et puis là-haut, il y aura les chambres des besogneux. Pour la semaine prochaine, on va essayer de reprendre Chambord, maintenant que c'est fini. J'essaierai de trouver un moment pour venir dégager... Enfin, je vais garder un certain nombre de choses. Puis le reste, j'irai le ramener au... à la salle des coffres commune. Il y a pas mal de choses, ça. De la terre, de la glace... La plupart des trucs, tiens le plumard, je vais peut-être le garder, je le mettrai là-haut. La plupart des trucs vont retourner à la salle des coffres.
Ouais. Bonsoir. C'est pas évident à lire, hein, sur le... C'est vraiment pas évident à lire. Lili, loulou, li. Bon, c'est reparti pour les images perdues. Ça aura vraiment été un petit peu galère ce soir. Donc la semaine prochaine, en espérant qu'on ait une meilleure co, on va essayer de repartir sur Chambord. Faut que je prenne un peu de temps pour bosser dessus. Refaire les plans. Recalculer toutes les distances et tout. Et puis voilà. On se retrouve demain, si tout va bien, à 15h pour le projet Amiens dans Minecraft. On reconstitue la ville d'Amiens. Et puis le reste de la semaine, c'est comme d'habitude. Mercredi et jeudi, ça sera du Holycube. Vendredi, c'est notre tour du monde en simulation de vol. On joue avec X-Plane et on est à Tahiti. Et on devra aller vers les Marquises. Et puis samedi, 14h, Holycube. T'es encore en train de ranger les trucs On t'arrête plus, Fredo. Il y a des blocs, faut les mettre ensemble, sinon c'est pas joli. Ça c'est de l'andésite. L'andésite c'est là. Il y a de la laine. Ça c'est de l'andésite aussi. Hop. La laine. Isa, t'es plus là? Je suis là, toujours. Je suis silencieux. Et concentré. Comme la carpe au fond de l'eau. Prête à bondir sur le petit plancton. Il prépare un sale coup. La carpe. La carpe, c'est le poisson qui fait. Je crois qu'ils font tous. Je crois qu'ils font tous. Tu crois? Le poisson chat, il fait pas miaou? Non, c'est un faux ami. C'est un faux ami. C'est comme le poisson tigre. Ah bon? Oui, le poisson. Non, le requin marteau. Est-ce qu'il est bête? Marteaux. Alors, des trucs. Là aussi, quand on a dû donner des noms aux animaux, à un moment on s'est dit bon, plus d'idée. Lui ressemble à un marteau, prends un marteau. Je vais aller me coucher, s'il vous plaît. Il y a même, je crois que c'est un poisson, je crois, ou une bactérie, je ne me rappelle plus. Ils ont donné le même nom que la bestiole dans Alien, les xénomorphes, ils l'ont appelé pareil. Peut-être dans Alien qu'ils ont donné le nom. Oui, c'est Alien qui l'a inventé, et quand ils ont découvert l'espèce, ils ont dit, tiens, on va l'appeler Xénomorphe, tiens. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des insectes qu'on découvre encore maintenant. Ouais, mais parce que Xéno, ça veut dire ça veut dire quelque chose. C'est pas étranger, justement. C'est une forme étrangère, Xénomorphe. C'est comme dans Xénophobe. C'est celui qui n'aime pas les étrangers. Donc ça sert le latin. Ah ça. Latin ou grec? Enfin en tout cas les langues anciennes. Si c'est pas l'un c'est l'autre. Voilà. Ok d'accord. Ouais c'est grec. C'est grec. Mais ça m'étonne pas. Xéno ça fait pas tellement latin quoi. Ouais, mais c'était pour vérifier si vous suiviez. Ok, Doc. Bon, et ben là-dessus, je vais souhaiter une bonne nuit à tout le monde. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs. Des gros bisous à vous. Encore toutes mes excuses, bien que ce soit plutôt à Monsieur Orange de s'excuser pour cette piètre qualité. Et on se retrouve donc sur Mats lundi prochain, 21h.
et on va essayer de rebosser sur Chambord. Si j'ai le temps de faire les calculs, sinon on fera d'autres bêtises. Bon, là on aura fini là. On trouvera bien des bêtises à faire. Hein. On verra ça. Bonne soirée, Shulkyo. Et puis voilà. Donc des gros bisous à vous. Passez une bonne nuit. Faites gaffe demain, il va faire chaud. Pensez à vous, à vous hydrater, surtout les vieux. Fredo. Après, les vieux de 25 ans, ils peuvent aussi s'hydrater. Hein. Mais avec de l'eau. Hein. Éventuellement, une citronnade. Non, mais Fredo, je disais qu'il fallait que tu penses à hydrater les vieux. On s'en tire comme on veut. Allez, bonne nuit tout le monde. Au revoir. Et puis, bonne nuit aux matzeurs. Salut, au revoir le chat. Pop. Ah, j'ai perdu ma fenêtre OBS. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est tout bon.